Voilà. Allez, pépette, il y a la pluie, mais non, il y a la fumée. Toi, tout ce qui brille là, c'est le nectar qui arrive, que tu récoltes pour Drancy. Bonjour, Cédric Dio, apiculteur à Drancy. Nous sommes sur un rucher où on accueille une quinzaine de ruches. Par ruche, on peut avoir 50 à 60 000 abeilles, donc ça fait un petit peu de monde, un peu de vol. Et le but est de produire un petit peu de miel pour soit les habitants, soit pour la mairie de Drancy, où on a un partenariat avec. Le but, c'est de faire voir aussi qu'on peut développer une activité environnementale au milieu de la ville. Une colonie se réveille très tôt et puis joue un petit peu avec la température. 10-12 degrés, l'abeille commence à s'envoler et va récupérer principalement du pollen au départ et puis du nectar au fur et à mesure de la journée. C'est grosso modo le septième métier, la butineuse, celle qu'on voit sur les fleurs, sur les plantes. Mais à l'intérieur de la ruche, on a principalement l'ensemble de la colonie, c'est-à-dire un effectif de 50 000. On en a à peu près 35-40 000 à l'intérieur qui font différents métiers, de nettoyeuse à nourrice, à ventileuse, à magasinière. Voilà, il y a tout un déclinement de métiers qui se fait à l'intérieur de la ruche. De la fleur au pot, et tout dépend un petit peu de la saison, mais grosso modo, si on est sur des grosses poussées de nectar, il faut compter à peu près un mois. En général, on est à une quinzaine de kilos par ruche. Alors pour aider les abeilles, le geste très simple est de fleurir sa balconnière, d'essayer de verdir un maximum. Et des fois, juste un rebord de fenêtre suffit pour que un bourdon, un papillon ou une abeille viennent butiner. Un petit tour de rucher, voilà notre quotidien. Pas mal ça, non ?